fait, avec l'aide d'un professeur, ou si tu pouvais rentrer dans un atelier où il y a des artistes. Oui, là, celui-là, j'ai commencé à peindre, à dessiner, c'était pour faire des choses que je ne pouvais pas faire. Et aujourd'hui, après avoir prouvé que j'étais capable de le faire avec ma bouche, aussi bien que les gens pouvaient le faire avec leurs mains, aujourd'hui je peins simplement pour dire ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends. Et ça, c'est une peinture extraordinaire.